Donc épisode 3 sur 4 quests, comme je disais dans l'épisode précédent, je vais essayer de passer le niveau 20 et d'affronter le dragon pour voir si je suis de taille ou non. Les esprits. Je vais juste fermer ma fenêtre, bougez pas. La suite de la quête avec ce mage là. Alors les chatons magiciens, vous avez trouvé une solution? Oui, la malédiction est alimentée par des orbes d'esprit. Alors si on détruit les orbes, la malédiction perdra son pouvoir. On a un plan, laissez-nous faire. Ah bon, on a un plan. On a un plan, nous. Ok. On devrait être près du premier orbe. Oh, est-ce que l'orbe va apparaître? Ah! Saloperie de monstre. L'orbe se brise et disparaît. Ok, pas mal. Ah bon, on en profite. Il reste un orbre. Un orbe. Orbreux. Bref. Dans la caverne des poilus. Niveau 15, ça va être costaud ça. Il faudra faire attention. Tac. Lui, on va le faire à la fin là, parce qu'il me plaît pas. Aïe. À nous deux. Parfait. On l'a détruit, mais j'ai un mauvais pressentiment. Allons dehors et voyons si quelque chose a changé. Oui, mais d'abord, on récupère ce qu'il y a dans le coffre. Armure en code de maille. Non. L'indécision ultime. Yo, chef mage, le sort n'a pas été brisé? Je pense que le dernier orbe d'esprit est contenu à l'intérieur du roi. Quoi? On ne peut pas seulement détruire le roi. J'aurais besoin d'extraire l'orbe et de le bannir. Quand je serai prêt, nous sauverons le roi ensemble. On approche de la fin de cette quête-là, intéressant. Moi j'ai l'impression. Allez, on va se faire quelques saumons là. On trouve l'œil. C'est bon, commencer. Objectif niveau 20. Il me fait mal. Objectif niveau 20 et
et affronter le dragon pour voir si on est à la hauteur ou non. Non. On va éviter de faire des quêtes qui sont un peu trop élevées. Trop élevées pour moi pour l'instant. Quoi que la quête du roi. J'ai pas envie de la faire quand même. Allez, on va essayer. Il est l'heure de sauver le roi Leonardo. Yo, le chef mage est dans le palais, prêt à extraire l'orbe. Nous ferons en sorte que rien ne puisse le perturber. C'est un combat de boss, ça. Aïe. Putain, je vais tout mourir. Je pense que je vais pas le faire, ça. Voilà, je suis marrant. J'ai pas fait trop de dégâts d'un coup, c'est pour ça aussi. Mais c'est faisable, c'est faisable. On y croit. Tac. Ouh, tout va bien, partenaire? Chef mage, avez-vous eu... Chef mage? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Quelque chose ne va pas? Reste loin de moi, Drakov, il me contrôle. Ah! Rien à rester loin de toi, mais tu m'attaques. Ouais, il a récupéré de la vie ou bien? Ah, je suis gelé. C'est bon. Vous allez bien maintenant? Je suis désolé, Drakov. Il... Oui, ça va, j'ai compris. Mais le roi est sain et sauf maintenant. Oh, votre majesté velue. Vous avez sauvé ma crinière soyeuse. Merci, jeune Dracosan. Maintenant, vous pouvez continuer à faire quoi que ce soit que vous faisiez. Bien sûr, j'ai aussi une récompense pour vous. Oh, bijoux de famille. Ouais, on peut s'arrêter là. Hein. C'est extraordinaire, votre majesté velue. Et maintenant, nous devons renforcer nos défenses au cas où Drakov reviendrait. Nous avons une dette éternelle envers toi, Dracosan. Ouais, je sais, je sais. Nice. Alors, ton épée, là, est-ce qu'elle m'est utile? Ah, pas mal, augmente ma vie et mon attaque. Alors faisons ça. Cool. Est-ce que je peux retourner ici? J'ai combien? 1132. Bah oui, carrément. Ça, on va l'améliorer. On va améliorer tous nos sorts. Tac. Ça je peux pas, 450, ça c'est combien? 300, allez, parce que ça je m'en sers un peu plus. Donc autant que ça soit puissant. Yo, 4, parfait. Cool. Il n'y a plus de quête apparemment dans la capitale, dans la chapitale, lol. Il y en a une là-bas, allez. C'est un truc de Kit Kat à tous les coups. Hein. Allez, niveau 20. Ah, puis s'il peut me faire une armure, ça va être parfait pour affronter le dragon, ça.
Allons-y. Tu m'as déjà dit ça, enfin je t'ai déjà parlé à toi. Mais attends, il y a une note déchirée par terre. Vieux miné a chopé les minerais que le boss voulait ou l'amène au lac Felinga pour les récupérer et les viennent rejoindre là-bas. Ok. Des bandits, encore des bandits. Alors les voleurs de minerais étaient des bandits aussi, je commence à avoir un schéma. Regarde, elle a laissé tomber une autre note. J'envoyais des minerais à l'autre bout du lac au point de rendez-vous. Gros Nip dit qu'il s'en occuperait jusqu'au retour du boss. Ok, oula, de nouveaux ennemis apparaissent. Complètement ça, j'ai déjà affronté j'en ai mis là, il me semble. Un chier là, me geler comme ça là. Je récupère 25 points de vie désormais avec la mana et non plus 10. On va se reposer là-haut là. Ah ouais, il m'a eu. Ah il m'a complètement eu même. Chier. Bon bah c'est pas grave hein. Ah putain il faut refaire ça. C'est pas grave. Allez. Deux coups d'épée, on n'en parle plus. Hein. Tech. Tac. Bon allez, on va essayer de se refaire. Ah il m'a eu putain. Et bon. Allez, on se repose. Ok. Est-ce qu'il peut me dire un truc lui? Non. Enfin, rien d'intéressant du moins. Suivez-vous que la façon de faire. Ok. Cool ta life. Le point de rendez-vous. C'est pas costaud ces bandits, hein. Regarde, les bandits portaient les minerais. Parfait. Il y a encore une note. Avec la série télévisée et maintenant les minerais, moi, le roi bandit, je peux enfin exprimer mon amour pour Kit. Rien ne peut se mettre en travers de mon chemin. Pas possible, un compétiteur. Enfin, je veux dire, c'était juste un bandit amoureux dommage. Oh! Bon, maintenant que nous avons les minerais, nous pouvons le donner à Kit. N'importe quand, quête complétée! Parfait, niveau 20, bah, c'est ce que je voulais. Est-ce que j'entends voir Kit seulement? Passer le niveau 21, est-ce que je peux passer par là? Là non. Il y a une sorte de ville ici. On va découvrir. Pas de ville.
C'est lui le boss. Ok, bon, de toute façon, j'ai. Les quêtes sont pas débloquées ici. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Hop, 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 hop. C'est pas grave. Il a juste été de repasser par là, voilà. Ou juste en allant. Voilà. Là, on se calme, les gars, là. Je veux bien avoir ton avoir kit, c'est où déjà? Ah, c'est en dessous là. Il semblerait qu'il y ait des quêtes, quoi qu'il y en a ici aussi. Évasion. Non, écoutez, on va aller voir le dragon, on avait dit ça. Hein. Là, il y a quoi comme quête? Le livre, ouais. Je repose un peu. On pourra passer niveau 21 sur le chemin, ça serait bien. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. J'ai combien d'or 419. Ouais. Bon, on va se régénérer et on va affronter le dragon. Pas combien de temps je joue là, mais je vais m'arrêter là après. Dans tous les cas, j'aurai au moins 3 épisodes sous le coude. Let's go! Allez, c'est jouable. Plus que jouable même. Aouh. Yep, parfait. Nous sommes les meilleurs, on n'a jamais été. Croc de flamme, oh. Niveau 21. Perfect. Elle est pas plus intéressante que celle que j'ai déjà, donc tant pis. Allô le jeu. Un monument, blablabla. Yo. Eh oh. Oh. Ah. Est-ce que tu as aimé mon illusion? Rends-nous mien. Maintenant, pas tout de suite, petit esprit, il me reste 2 dragons. Le prochain repose sur l'eau. Ah fuck. J'ai mis un traceur magique sur Dracov à l'instant. Putain, il a mis un mouchard. Il nous mènera directement à ta sœur, cette tête de rouille, suivons ses traces. Oui mais non. On va d'abord sauvegarder et s'arrêter là. Faut est-ce qu'il faut aller tout là-bas. Ouais, on va sauvegarder à l'autre petit village là. Je crois que je vais peut-être aller
truc des arcanes là, voir si je peux pas faire quelque chose. Avec l'argent que j'ai, peut-être acheter une amélioration. Ça serait pas mal. 479, 400 pour celui-là, 650 et 450. Ouais, non. On va économiser. On sauvegarde. Et je vais m'arrêter là du coup pour l'épisode 3 de 4 quests et je reprendrai une session de jeu plus tard. Ça me fera déjà un petit stock. Voilà. À la prochaine. Salut!